Latitude 91 sur 95.4 FM everyone.com. Tous les lundis, 18-20h. On reçoit Julien, qui est créateur du site Le Nouveau Cénacle. Avec un C. Avec un C. Et point .fr. Alors, le Cénacle, déjà, à la base... Voilà. Est-ce que c'est en rapport avec le tableau La Seine de Léonard de Vinci, ou est-ce que ce sera en rapport avec la Comédie humaine de Balzac, qui alors, est un vous aurez noté que mon nom, déjà, c'est un nom d'emprunt, c'est mon nom de plume de Rubempré, donc c'est un personnage de chez Balzac, qui participe avec ses amis, donc un groupe d'écrivains, ils ont appelé ça le Cénacle. Et c'est aussi en référence au Cénacle du 19e siècle, qui réunissait c'est autour de Victor Hugo, Balzac, Nodier, Dumas... Alors ça. Moi, quand je suis allé à Jérusalem, je suis allé au Cénacle, justement, qui est l'endroit où il y aurait eu la scène avec Jésus, quoi. D'accord. Donc je pense originellement ça vient de là. Oui, c'est religieux. C'est un terme religieux. À la base, c'est religieux. Hein. Ça vient de la c'est scène. Religieux. C'est la scène avec un avec Jésus. Ouais. D'ailleurs, il y a un cénacle ici religieux à Tichery. Oui, non, mais je veux dire, à l'origine, c'est ça, puis après, ça a été décliné. Je me prends pas pour Jésus, c'est la référence à Victor Hugo. Et moi, j'ai eu la chance d'aller sur l'endroit présumé, mais comme là-bas, tous les endroits. Ils disent qu'ils ont fait ça, ils ont fait ci, tu vois bien que c'est pas possible en fait. Donc, c'est Jésus, symbolique, c'est déjà pas mal. Mais Jésus, il habitait dans le coin, donc il a mis les pieds un peu partout. Dans le coin de Jérusalem. Oui, bien sûr, donc, mais. C'était son secteur. Je pense que c'est vraiment très symbolique. Son terre-terre. Ouais, c'est comme Batman terre-terre. Avec Gotham, quoi, c'est sa ville. Et à l'endroit du Cénacle, donc à Jérusalem, juste au même endroit, il y a le tombeau de David. Du roi David. Alors c'est ça vient de l'endroit où on se réunit et tout, artistes, philosophes, journalistes. Alors le Nouveau Cénacle est une revue participative. Tu vas m'expliquer un petit peu ce qui c'est, qui s'inscrit dans... Ça marche pas vraiment par inscription, ça marche vraiment par contact. Ça peut, par exemple, arriver que je tombe sur un blog et je trouve que la personne a une bonne plume et des idées et que je la contacte par ailleurs et qu'ensuite elle vienne écrire dans le Nouveau Cénacle pour... Parce qu'on est plusieurs, donc forcément on a plus d'audience. Donc tu fais de la chasse aussi alors? Ouais, exactement. T'as un peu de la chasse, tu vas repérer un petit peu... À l'affût des nouvelles plumes, puis il y a même des gens qui n'avaient jamais pensé à écrire. Qui peuvent être des amis à moi ou des connaissances ou des gens qu'on me suggère, et en les poussant un petit peu, on arrive quand même à avoir quand même du contenu. Et parce qu'on se rend compte, c'est pas pour faire du populisme à deux balles, mais les gens qui ont une carte de presse, leur écriture est quand même assez formatée. Si c'est pour avoir de la news, moi ça m'intéresse pas. Enfin, en fait, ce qui s'est passé, ça m'intéresse pas, mais pourquoi ça s'est passé, là, ça m'intéresse plus. C'est dans le décryptage. Voilà, ils sont basés sur le décryptage, l'information elle-même. Donc, c'est pas un site, c'est pas un café philosophique. Non, il y a vraiment... et c'est pour ça qu'on est pour l'instant sur un rythme de un article par jour, parce qu'il faut le temps, et même je trouve qu'un article par jour parfois c'est trop, parce que on passe des fois sur des articles super conceptuels, philosophiques, etc. Et en 24 heures, c'est internet, donc c'est le tweet, c'est tout ça, donc c'est oublié, ça peut être oublié en 24 heures. C'est ça l'information. Alors dans le site internet, vous avez une barre d'outils, un sommaire, je sais pas comment on dit, un menu, voilà, littérature, philosophie, histoire, musique, théâtre, cinéma. Donc t'as l'Elysée aussi, politique, les barricades. C'est quoi les barricades? Les barricades, ce sont les tribunes engagées. D'accord. Est-ce que tu connais le site Newsring? Oui, oui. Voilà. Est-ce que c'est un peu dans le même genre? C'est un peu ça, ouais. Mais on essaie de faire différemment parce que, enfin, je sais pas si on va passer toutes les rubriques en vue, mais il y a de la peinture, il y a du sport, il y a du journal de bord, il y a beaucoup de foot. Donc voilà. Il y a l'économie, il y a la science, il y a la médecine, l'écologie, il y a tous les sujets. Il y a des sujets qu'on a volontairement mis de côté. Par exemple, les jeux vidéo. D'accord. C'est par exemple ce qui fait le plus de clics, mais moi personnellement ça ne m'intéresse pas. J'en ai un ici qui est accro aux jeux vidéo, j'en ai deux là. Deux. Moi par FIFA, je veux dire, voilà. Et puis après, on peut pas parler de tout. Donc, FIFA 14. Voilà. Ils sont tous. Alors, en parlant de FIFA, justement, t'as du football, t'as du tennis, basket, rugby et curiosité. Alors, ça c'est marrant. Ce lien là, curiosité.
C'est un peu de tout, en fait. T'as de la poésie, t'as le Paris par la nuit, la peinture, le c'est salon. Le plus. Alors, c'est pour le plus. Hein. Voilà, alors ça, c'est le plus, c'est ce qui fait la différence. C'est vraiment histoire de renouer avec les revues qui se faisaient avant, dans le XXe siècle. Mon modèle, c'est la NRF, qui mêlait le texte engagé, la théorie littéraire, la fiction, mettre de la nouvelle, de la poésie, etc. Pour l'instant, je suis désolé, si on clique dans nouvelle ou poésie, il n'y a rien. Mais ça parle beaucoup de peinture, de salon de peinture. Les journaux de bord, il y a par exemple le journal du prof de ZEP de Christophe Berrurier, qui est, c'est un ami à moi qui est professeur et qui chaque semaine raconte sa semaine en tant que prof de français en ZEP. Donc toutes les petites scénettes du quotidien, voilà. C'est marrant parce qu'il y a des personnes qui viennent de tout, des horizons divers. Mm-hmm. Hein, t'as des journalistes, des professeurs, des économistes, des juristes, mm-hmm. artistes. Mm-hmm. T'as vraiment un peu tout. Tous ces gens-là, c'est des... Comment ça marche? C'est des contacts fidèles, c'est des partenaires fidèles que t'as... Ouais, des contributeurs, réguliers. Voilà. C'est ce que réguliers, je cherche. C'est ça? Yes. Pour avoir des... au début, bon, il y a plusieurs personnes qui proposaient un article par mois, honnêtement. Parce qu'après, plus on publie, en fait, plus on fidélise un lectorat et plus un auteur. Mmh. À des gens qui le suivent pour un article. Donc l'idée, c'est ça, c'est de créer du lien entre nos lecteurs et nos auteurs. Mmh. Et est-ce que tu connais le nombre d'audience de ton site? Oui, là on est à un peu plus de 12 000 visiteurs uniques sur le mois de janvier. Donc on part sur du... en décembre, c'était 11 000 visiteurs uniques, donc ouais, ça grossit chaque mois. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'objectif. On essaie de tenter les 50 000 pour la fin de l'année. De toute façon, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Exactement. Twitter, ouais, vous avez un Facebook aussi là. Un Facebook, un Twitter. Mais tu l'utilises quand même. Je critique, oui. Enfin, non, tu décryptes. Je dis de quoi c'est le symbole. C'est d'accord, différent. Mais tu mets les pieds dedans. C'est bien, faut mettre la main à la patte, comme on dit. Hein. Ouais, alors, voilà. Question traditionnelle. Alors, depuis combien de temps existe ce projet? Il date. Le site est paru en avril 2013. Sachant que l'idée m'est venue pendant l'automne 2012. Donc le temps de trouver des auteurs pour me suivre, quelqu'un pour développer le site web, de tout mettre en place, donc c'est très long. Il fallait aussi du contenu, parce qu'on ne peut pas lancer un site sans article dedans. J'imagine qu'il fallait une base de données quand même. Il fallait une base de données, hein, donc le temps de le lancer... Ça marche mieux avec du contenu. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Et je pense même que je l'ai fait sortir trop tôt, en fait, parce que du coup, le site est paru, il y avait... quinzaine d'articles et les gens tombent dessus, ils voient qu'il n'y a rien, ils reviennent plus. mais après c'est vrai que ça marche bien. On a beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux parce qu'on fait quand même des articles assez polémiques. Et c'est ça, le but c'est ça, puis c'est de grossir et c'est surtout d'amener à réflexion en essayant le plus possible d'être au-dessus de la mêlée. Patrick. Oui, alors justement, est-ce que vous connaissez la typologie de vos lecteurs, sachant qu'aujourd'hui ce que vous développez, c'est presque à contre-courant de ce qui se passe, puisque les gens ne veulent plus trop lire trop longtemps. Et voilà. Est-ce que vous connaissez la typologie des lecteurs? Ouais, alors c'est un public, je pense, assez jeune, je pense. Je parle pas juste par rapport des retours que j'ai, des gens qui me contactent et de ce qu'on a sur les réseaux sociaux. C'est sûr, c'est un peu biaisé parce que les réseaux sociaux, il y a plus de jeunes. Donc c'est vrai que c'est peut-être un point de vue un peu biaisé. Mais ce que je vois aussi, par exemple, j'arrive à revoir, c'est quels sont les mots-clés qui ont été tapés pour tomber sur notre site. Donc c'est plutôt 30-35, un public peut-être... il y a beaucoup de profs, de journalistes, etc., qui nous suivent assez régulièrement. Puis des contacts que j'ai. Ce qu'on aime, c'est exactement parce qu'on prend le contre-pied de l'immédiateté, en fait. Ouais. Là, par exemple, Yannick, à côté, va publier cette semaine un article sur Jour de colère. Donc, au lieu de le publier le jour même pour dire, voilà, il y a eu une manifestation avec ça, on préfère prendre le temps d'une semaine, laisser passer une semaine. Voilà, c'est passé. Un recul. Et lui va nous apporter son avis qui sera, comme d'habitude, original. Ouais, parce que quand on fait le jour même, il y a un échauffement. Puis tout le monde en parle en même temps. Puis tout le monde va dire plus ou moins la même chose. Donc, c'est pas très intéressant. Puis, vu le nombre de médias qu'il y a, autant essayer de dire quelque chose d'un peu différent. Mais donc toi, Yannick, tu as contribué à plusieurs articles sur le site? Alors,
pour revenir au départ, c'était suite à l'apparition de mon livre. Mmh. J'ai donc rencontré via les réseaux sociaux Julien, La France Multicolore Mécanique. La France Multicolore Mécanique, ouais. Voilà, et on a aussi un ami en commun qui nous a pas mal aidé. Et du coup, Julien m'a fait une interview qui m'a permis de parler de mon livre. Ça s'est très bien passé, on a pu avoir un échange très très constructif. Mmh. C'est grâce à la pub de ton livre sur le site qu'on t'a invité d'ailleurs. Attends, non, mais c'est grâce à l'article qui t'a été consacré sur le site. D'accord, quand t'as invité. Très bien, voilà. Ok. Bah, comme quoi, hein. Ouais. Et voilà, à la suite de ça, j'ai fait une contribution. Je me souviens que c'était sur l'affaire Leonarda. Mmh. Excuse-moi, Leonarda est toujours là-bas au bled, non? Bah, elle risque pas de revenir, hein. Bah, Leonarda, elle est là où elle est. Bah, de toute façon, vu la France, combien le chômage, il vaut mieux qu'elle reste là-bas. Hein. Elle est encore jeune. Elle est encore jeune. C'est une blague de Mario. C'est une blague de Mario, voilà. Ouais. Et du coup, moi, c'est vrai que je me suis pas forcément engagé à être régulier parce que faute de temps, je peux pas toujours écrire sur pas mal de choses parce que c'est vrai que je suis pas mal pris. Mais voilà, là, ça fait maintenant quelques mois, j'ai décidé d'écrire quelque chose sur ce jour de colère. Et j'espère que ça plaira à Julien. Patrick. Oui, alors votre site, c'est un site gratuit, je suppose. Oui, oui. Mais vous, par contre, est-ce que vous mettez de la pub dessus? Pas encore. Pour l'instant, est bénévole. Ouais, tout est. Et vous avez des objectifs. Oui, évidemment. Oui. Bah, l'objectif, c'est de pouvoir ramener assez, d'avoir un lectorat assez conséquent pour ensuite pouvoir proposer de la pub. D'accord. Mais parce que en ce moment, il y a beaucoup de sites qui fonctionnent, dès qu'ils atteignent 5000 lecteurs, mettent plein de pop-up partout. Ça fait fuir les gens, c'est moche. Ça sert ils mettent ad-block. Voilà, ouais. C'est ça. Et ça, je veux dire, c'est pas intéressant. Donc autant trouver peut-être même un partenariat d'ici l'année prochaine. Parce que l'objectif pour moi, c'est de. Bah, si je pouvais payer les chroniqueurs, ce serait vraiment top. Ouais. Alors, je continue la question. Par exemple, toi, en dehors de ce site, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que c'est une... je travaille dans une boîte de communication. Voilà, d'accord. Et tu arrives à tout faire correctement? Parce ça doit prendre un temps. Bah, je suis aidé quand même. Un certain temps. Oui, voilà. Bon, ça va, t'as réussi à mettre en place une équipe. Oui, ça roule assez bien. Bah, je fais ça le soir en rentrant. Faut savoir que j'écris aussi par ailleurs. Donc, mon roman n'est pas encore publié, mais peut-être un jour. Mais je dors pas beaucoup la nuit. Bon, c'est pas grave. Puis j'ai des week-end et puis voilà, je fais ça le soir en rentrant. Et est-ce que si ça va pas de barreau d'être nana quand même, hein. Ouais. Est-ce que si c'est tu... nana, ouais, est-ce que si tu as assez de financement d'ici quelques années, on te le souhaite, tu penses publier une revue papier, enfin au moins mensuelle, avec tous les meilleurs articles sélectionnés? J'y pense, mais vu l'état de la presse écrite ce moment, honnêtement, c'est vraiment, si j'ai beaucoup d'argent, un one shot au moins, ou à la commande, alors ça peut parce que maintenant franchement tout passe par maintenant web, c'est la mode des MOOC, hein, c'est la mode exactement des... ça m'intéresse beaucoup, ça, par contre, mais faut d'avoir les moyens, mais... Il faut que tu t'installes en Roumanie, ça coûtera moins cher. faut cliquer. Pour ceux qui seraient intéressés en écoutant cette interview, est-ce qu'il y a une newsletter? On peut s'inscrire à une newsletter? Oui, c'est tout nouveau. Bon, ça marche pas encore des masses, donc. Mais on peut. Il y a une rubrique s'inscrire sur le. Il y a un formulaire d'inscription en bas. Et puis même pour contribuer, il y a un espace pour nous contacter. Donc n'hésitez pas si vous avez des choses à dire. Contactez-nous. Alors, le Cénacle cherche à préserver l'esprit de salon. C'est quoi l'esprit de salon? Comme au 18e siècle. C'est ça, l'esprit de salon, voilà. La discussion, le débat. Moi, par exemple, je veux dire, on a passé une partie de l'après-midi ensemble avec Yannick. On n'est pas d'accord sur tout, loin de là. Mais le plaisir, c'est de parler en toute intelligence avec quelqu'un. Et on parle de peinture, on parle de littérature, on parle de politique. Voilà. Non, mais comme on dit, on débat toujours avec les gens les plus intéressants, finalement. Ah oui, non, mais c'est ça, exactement. Donc il y a l'exposition de toile, photographie. Et publication poétique, ça c'est pour toi, ça? T'aimes bien la poésie? Entre autres. Entre autres. Hein. Bah, tu pourrais contribuer au site. Vous ferez faillite, mais bon. Voilà. C'est pour ça, mieux pas. Patrick, il écrit beaucoup, il adore écrire. Ah, ce sera avec plaisir. Ouais, mais c'est pas. Alors là, pour le coup, c'est plutôt synthétique, moi. Moi, je fais des métaphores. Ah, c'est très bien, les métaphores. Ouais. D'ailleurs, on fait un hommage à Cavada qui nous a quittés la semaine dernière. Charlie Hebdo, Harakiri, voilà. Voilà, ça fait 96 ans, il avait le bonhomme Cavada. 90 ans, il me semble. 90 ans, un truc comme ça, ouais. Donc hommage, il nous a fait bien rire avec ses blagues. Avec le professeur Cheron à l'époque. C'est la vraie impertinence qui s'en va. Quoi, on se rappelle de la couverture de prof Cheron, balle tragique à Colombey, un mort. Un mort.
concernant la mort du général de Gaulle. Voilà. Latitude 91, tous les lundis, 18, 20h.